Le coup franc pour Monaco avec Meriem. Oh, attention, avec ce but contre son camp. Oh, incroyable, le coup du sort. Paolo André qui trompe Johan Pelé. Oui. Et Monaco qui désormais mène 2-0. Comme quoi, il peut y avoir on joue pendant 4 heures, on ne marque pas, et quelquefois en 2 minutes, ça y est, les carottes sont cuites. Ah, c'est un coup dur pour cette équipe mancelle. Hein. Et puis un bravo pour l'équipe monégasque qui a retrouvé un petit peu l'efficacité, même si le deuxième but. Mais c'est un ballon très bien donné. Et on notera aussi le positionnement de Park dans le dos de Paolo André. Oui. Il est obligé de jouer ce ballon, le défenseur central du Mans. Ben, Park est à l'origine des deux buts. Hein. Exactement.